yeux des cieux. Nous voilà assemblés en ce jour devant toi. Nous voulons vraiment que ce moment tu empruntes le contrôle totalement. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que tu nous conduises dans chacun de ces instants. Jésus, prends le contrôle, Seigneur.
Jésus, pour ta grâce, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons remettre en tes mains ces instants, ces moments prophétiques, ces moments où nous sentons que tu es là. Nous aspirons tellement à ta présence, Esprit de Dieu, tellement à ta présence. Viens nous conduire. Nous ne pouvons pas marcher sans toi, nous ne pouvons pas parler sans toi, nous ne voulons rien faire sans toi. Pendant ces rendez-vous des MS Live, c'est toi qui nous sauve, qui nous délivre, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, qui nous montre la voie, tu nous montres la voie à suivre. Nous avons soif de toi, nous avons soif de toi. Seigneur intercède par des soupirs inexprimables. Et ce sont ces soupirs-là que nous sommes en train de dire par ces paroles. Oh, 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 oh. Le soupir de nos cœurs, le soupir de nos âmes, d'hommes et de femmes assoiffés de toi. En tout lieu, en ce monde, nous sommes là. Assoiffés. Des assoiffés de ta volonté, nous sommes là assemblés en plusieurs endroits en ce monde, Seigneur Jésus, pour t'adorer, pour te prier, pour chercher ta face, pour voir ta gloire. Nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'acclamer. Nous allons oublier, nous allons positionner Jésus au-dessus de tous nos soucis. Il est le plus grand, il est le plus grand, il est le plus grand, il est le plus grand. Notre Dieu est plus grand. On rentre dans la présence prophétique de Dieu en élevant le Seigneur. En élevant Jésus, Jésus, Jésus. Jésus a dit dans sa parole, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Nous devons élever le Seigneur afin qu'il nous attire vers le troisième ciel, dans notre cœur, dans notre esprit. Nous ne devons pas laisser les charges de la terre, les fardeaux de nos soucis nous bloquer. Dieu est au-dessus de tout.
Il est au-dessus de nos problèmes sociaux, de nos défis spirituels, de nos défis, quel que soit le type de défi auquel tu es confronté. Ne les laisse pas te bloquer au premier ciel. Ne les laisse pas te bloquer au deuxième ciel. Mais élève Jésus au-dessus de cette situation. Élevons notre roi au-dessus de cette situation. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons. Oh. Braille de l'écarte, rabababa, chèque de la brosse, maille de la brada, gloria d'abra. Raïdes glorianda baba chere marala sonda rababra. Disons que l'Éternel est au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. Approchons de toi, nous venons devant toi. Émerveillé Jésus. Émerveillé par l'éclat. Seigneur, c'est vrai. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. Et chantent à l'unisson. Chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat. Nous sommes émerveillés. De ta beauté, Père. Oh, oh. Tous les anges se prosternent. De tout.
de brodo scanda raba bris. Shaide de glorianda brada soro mara la braide glorianda ba. Shaide de braida glorianda ba ma chere de bro. Raide glorianda ba ba chere bara la te. Personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. N'est semblable à toi, mais au-dessus de toi. C'est toi le plus grand, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. Braide soro bara la canta raba brada slow.
Shema mama mama sonda raba bradas glorianda bra. Merci Saint-Esprit. Laide glorianda bradas sonda raba bra. Lorsque tu seras élevé, tu attireras nos cœurs, les hommes à toi. Nous venons vers toi aujourd'hui, nous venons vers toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous ne voulons pas laisser notre chair, nos âmes, nos émotions nous distraire. Nous ne voulons pas laisser le deuxième ciel nous distraire. Tu l'as vaincu. Tu as vaincu la mort, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu es élevé, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. La mort est l'ennemi le plus fort que nous ayons connu. Destruction des biens, destruction de toutes choses, mort spirituelle. Tu es là, ma soeur, mon frère, en train d'entendre ce message, et ta vie spirituelle est sous un assoupissement spirituel. La mort spirituelle a commencé à te gagner. Mais ce Jésus qui est élevé, ce Jésus qui est ressuscité, t'a conduit à ce live et t'a conduit à ce moment pour parler à ton cœur, pour te ramener dans ta communion avec Dieu, dans ton intimité avec le Seigneur, pour ressusciter, car il est ressuscité. Ne dis pas que Dieu te rejette. Aujourd'hui même, il te reçoit. Aujourd'hui même, il vient vers toi. Aujourd'hui même, il te parle. Là où tu es déboussolé, où ton âme est abattue, détruit par Amalek, Jésus est ressuscité. Mon Dieu. Rebayanda rababe, chede bradas glorianda mama. Chaide rede mama mama bakata rababradas glorianda bro. Ressuscité, nul n'est comme toi, à jamais. Mon Dieu,
Nous venons devant toi, Saint-Esprit. Nous venons devant toi. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous avons soif de toi. Nous venons dans ta présence. Assoiffé de toi, Jésus. Assoiffé de toi, Seigneur. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir. Nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Jésus. Nous venons devant toi. Le cœur assoiffé de toi, et je m'attends à toi, je m'attends à toi, mon Dieu. Je viens dans ta présence, et j'ai tellement soif de toi, et je m'attends à toi, mon Dieu, mon roi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus.
nation. Je viens pour la famille. Je viens, Seigneur Dieu. Je monte avec toi. Je monte vers ton trône. Je monte, Seigneur Dieu. Je veux me tenir à ma force. Je veux me tenir à ma force et écouter ta voix et savoir ce que tu vas me dire. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Rebabos atarama bradas gloria naba shekatari anda bradas gloria anda brada e lokama mama 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 shende reda bro raides gloria anda bradas serebara la ke ruda raba katari bradas gloria anda baba sheteri da bro rekatari anda bradas sorobara la claria anda baba e shimama yende. Yente, Shaba Chukaba, Rekatara Baba Yanda Rabake. Nous venons de ta présence. Rekatara Baba 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 Shere Mara Lasso. Yanda Bradas Lori Yanda Baba She. Nous venons devant toi et nous voulons affirmer ton règne sur nos vies. Déposer toi qui règne, c'est toi qui règne. Tu règnes sur toutes choses. Là où mes pensées avaient le contrôle, j'enlève ce contrôle et tu établis ton règne, Seigneur Dieu. Là où mon âme me contrôlait, mes émotions me contrôlaient, je les amène devant toi, Seigneur Dieu. Montant vers le Seigneur et amenant devant le trône, devant la croix, tout ce qui nous contrôlait devant toi, nous abandonnons notre chair qui nous contrôle, qui nous donne des désirs. Nous ne voulons pas entendre la voix de notre chair, nous ne voulons pas entendre les voix de nos émotions, mais nous voulons entendre ta voix, écouter ta voix, recevoir de toi et marcher pour toi. Nous voulons t'entendre, entendre ta voix, recevoir de toi et marcher pour toi. Nous voulons t'entendre, nous voulons te voir, recevoir de toi, entendre ta voix et faire ta volonté, car c'est toi qui règne. J'irai, elle entend toutes sortes de voix. La peur veut m'assaillir, la crainte, le doute, les questionnements me conduisent, Seigneur, mais je viens vers toi, me déverser pour toi. Et parle à ton Dieu, parlons à notre Dieu. Disons là où nous sommes, tout ce qui nous contrôle, nos peurs, nos doutes, nos craintes, nous abandonnons, Seigneur, devant toi. Nos craintes, nos doutes, nos peurs. La peur, quelle que soit la peur qui t'anime, mon frère, ma soeur, maintenant nous approchons du trône, nous sommes devant le trône de Dieu. Déversons nos craintes. Car
car les voix de nos peurs, les voix de nos craintes nous empêchent d'être connectés à Dieu. Lorsqu'on rentre dans l'environnement prophétique, la peur va te faire entendre les esprits de peur. La colère va te faire entendre des esprits de colère. La colère, la peur sont des états émotionnels. Nous devons les déposer devant le trône de Dieu. Sans quoi la voix, le son de Dieu va être pollué, va être atténué par nos états d'âme. Nous venons simplement nous approcher devant le Seigneur. Venons devant notre Dieu. Déversons tout ce qui nous fait peur, tout ce que nous craignons. Ce matin, ce midi, personnellement, je suis monté sur la tour, je monte sur la tour par rapport au pays où je suis, la Côte d'Ivoire, par rapport à la fin de l'année, je monte sur la tour. Peut-être que là, toi, tu es monté sur la tour parce que Dieu t'a établi responsable de ton foyer, de ta famille, de ton église, et tu montes sur la tour prophétique, et tu montes sur la tour prophétique. Si en toi, la crainte, la peur, etc., peut-être tu es monté sur la tour par rapport à tes défis familiaux, si ces craintes-là sont en toi, si tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain, fais attention à la voix de la peur. Fais attention à la voix de l'inquiétude. Lorsque la voix de l'inquiétude est en toi, lorsqu'elle est en toi, elle t'empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Elle trouble tes perceptions divines. Mais avec le trône de Dieu, pendant que tu dis qu'il règne au-dessus de toutes choses, tu te dis à Jésus que tu as le contrôle. Tu as le contrôle sur mon âme. Tu as le contrôle sur ma chair, sur mes pensées. Ah! Jésus-Christ, je dépose tout ça à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. C'est ton sang Jésus, c'est ton nom Jésus qui nous donne accès au trône de grâce. Tu dis approchez-vous avec assurance du trône de miséricorde et de grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir grâce et miséricorde. Nous venons devant ton trône, Jésus, je viens devant ton trône. Père, je viens au travers du sang de l'agneau. Je viens au travers du sang de l'agneau. Je viens au travers du sang de l'agneau te présenter la Côte d'Ivoire. Je viens au travers du sang de l'agneau te présenter le défi de ma soeur, le défi de mon frère. Je viens, papa, au travers du sang de l'agneau présenter devant toi mes challenges, mes fardeaux. Je viens au travers du sang de l'agneau, papa, père, père, que vient de me dire. Je veux entendre ta voix. C'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui sais toutes choses, c'est toi qui contrôles toutes choses. Mes peurs ne peuvent rien apporter, mes doutes peuvent rien apporter, c'est toi qui fais toutes choses. C'est pourquoi nous voulons te dire tous ensemble, disons le feu de Dieu. Au-dessus de tous, tu règnes. Et Jésus est ton nom. Au-dessus de tous, tu règnes. Jésus est ton nom. Alpha, Omega. Notre père,
avec notre Père qui est dans le ciel. Papa, tu es le plus grand. Papa, papa, tu as tellement de force. Papa, tu as tellement de puissance. Papa, tu es tellement grand. Papa, tu es tellement merveilleux. Papa, tu es puissant, mon Dieu. Chambre, je crois que j'ai raconté cela. Et puis j'avais vraiment, ça avait beaucoup de sujets, de défis. Et papa a voulu me présenter le degré de sa, certains degrés de sa puissance, de sa force. Il dit, mon fils, tu n'as aucune idée de ma grandeur, de ma puissance. Et je comprends ce que la parole de Dieu dit, nous connaissons en partie fraîchement. Lorsqu'on arrive dans cette atmosphère de notre papa, nous ne pouvons voir que des brins de connaissance. Mais ces brins-là, simplement, juste une phrase est suffisant. Juste un mot est suffisant pour donner la vie, pour ressusciter des morts, pour changer des situations. Notre papa est tout puissant. Père, souvent, tu vois, souvent il m'arrive d'oublier ta grandeur, d'oublier ta puissance. Quand je suis submergé par les défis du premier ciel, de la terre, je suis submergé, je peux m'inquiéter pour le lendemain. Et j'oublie, papa, que tu es encore au-dessus de tout. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Il y a des fois, je sens une pression démoniaque, maléfique, terrible. J'entends des sons de voix qui me disent, tu vas mourir, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Mais je veux me souvenir d'une chose, que toi, mon papa, tu es au-dessus de tout. Et ce jour-là, maintenant, dans la présence de notre papa, de papa, de notre Dieu. Et mon fils, je sais toutes choses. Je contrôle toutes choses. Je règne sur toutes choses. Je ne sais pas comment. Et de là, de ma position, c'est un peu comme si en esprit, je voyais un arbre qui était en dehors de la maison. Et l'esprit me dit, tu sais, sur ce arbre-là, sur telle feuille, il y a une fourmi. Et la fourmi, je la connais. Je sais quand elle est née, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient. Je suis celui qui sait, je suis celui qui sait, je suis celui qui voit, je suis celui qui sait. J'ai dit, ah Seigneur, tu la connais. Il dit, non, mon fils, dans le même arbre, je peux te dire exactement il y a combien de fourmis qui sont là. Je peux te dire exactement il y a combien de chenilles qui sont là. Je suis conscient de tout cela à la fois au même moment. Au moment où tu es en train de penser, de prier, de faire toutes choses, je sais toutes choses, je sais toutes choses. Il dit là où tu as dit, il y a à côté, il y a un chien, et je sais ce qu'il est en train de rêver.
Et sous la terre, il y a des termites et je les connais par leur nombre. Je les connais par leurs détails. Je sais toutes choses à la même seconde. À la même seconde. Au même moment, je sais toutes choses. Je dis, tu crois que je sais simplement ce qui est juste à côté de toi? Je connais tous les arbres qui sont sur la terre et exactement le nombre d'insectes qui sont dans chaque arbre. Vous voyez là où je me tiens? Alors j'entends qu'on ne peut pas me dire. Tu vois, ici, je peux te dire comment s'appelle le ver de terre qui passe par ici. Comment s'appelle le petit criquet qui saute d'un arbre. Je peux te dire quand il est né, le nombre de poils qu'il a. Je regarde un pigeon, je peux te dire il a combien exactement de plumes. Et ce, sur toute la terre. Alléluia. Je le sais, je les connais, je les connais. Je les connais. Chaque chose dans le détail, je sais toutes choses. Et il m'a ramené le soir, j'étais assis, il m'a ramené à une image que j'avais. Une image que j'avais. J'étais parti visiter des terrains. Et il y avait beaucoup de termitières. Et pendant que je me tenais là, l'esprit m'a ramené vers les termitières et m'a montré comment il les connaissait, tout ce qu'il savait. Et ce qu'il me dit, c'est que ces choses ne s'arrêtent pas là. Il le sait sur la terre entière. Il connaît les profondeurs des eaux. Tu sais, il y a des profondeurs dans la mer que l'homme n'a jamais expérimentées. Les humains connaissent mieux le ciel qu'ils ne connaissent la mer qui est à côté d'eux. Il y a certaines distances où nos appareils, tous les systèmes ne peuvent entrer. Aucune lumière n'arrive là-bas. Mais les hommes ont su que sans lumière, dans l'obscurité totale, il existait des animaux. Il existait des animaux. Dernièrement, je regardais encore un documentaire sur le fleuve Congo, qui est un des fleuves les plus profonds au monde. Et il a des profondeurs très très loin. Il y a des animaux là-bas qui n'ont pas Dieu, qui ne voient pas. Et mon papa dit qu'il les connaît. Il les connaît, chaque poisson, chaque écrevisse, chaque tout ce qu'il y a à l'intérieur. Papa les connaît, papa les connaît, papa les connaît, papa le sait. J'étais omnibulé. J'ai dit, Seigneur, je ne réalisais pas. Et en fait, papa me disait ça. Il dit, mais tu dis, parce que je t'entends de prier, père, je veux te connaître. Je veux me connaître intellectuellement. Comment tu peux me saisir? En fait, ma prière venait de cette révélation-là venait de ce sujet. Je priais, j'ai dit, père, moi aussi, je veux te voir. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils t'ont vu, je veux te voir. Il dit, mon fils. Je ne m'ai jamais vu. On ne peut pas me voir. Qu'est-ce que tu veux me voir? C'est moi la fourmi là. C'est moi qui suis la fourmi. C'est moi qui suis l'écrevisse qui est caché. C'est moi qui suis. C'est moi. Donc, chaque fois que tu vois des herbes, chaque fois que tu vois un arbre, tu es en train de me voir. Tu vois ma perfection. Tu vois mes œuvres. Tu vois mes œuvres. Chaque animal que tu vois, chaque raisonnement. C'est moi ton Dieu, je suis dans la plante, je suis dans les insectes, je suis dans les humains, je suis partout, je suis partout, je suis ton Dieu. Chaque personne qui dit qui m'a vu, en fait, les yeux humains ne peuvent pas contenir ce que je suis, ce que je suis. Je suis plus grand que tout ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu sais que je sais exactement le nombre de sable qu'il y a sur la lune? Ah,
La lune, tu ne t'inquiètes même pas. Après la lune, tu as des planètes. Tu as la planète Mars, tu as les Vénus. Toutes ces choses-là, je les connais. Et la Terre, elle est tellement minuscule dans la galaxie, dans le système solaire, qui lui-même est infiniment petit dans la galaxie, qui la galaxie même est infiniment petite dans l'univers. Et c'est moi qui ai fait toutes ces choses. Je dis, mais papa, comment tu es? Alors il dit, mon fils, tout ce que tu peux voir de moi, ce n'est que partiel. Ce n'est que partiel. Et il me dit, quand le soleil brille, peux-tu le regarder en face? J'ai dit non. Je ne peux pas regarder en face le soleil qui brille. Ok. Cet astre-là, il est à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et tu ne peux pas supporter son regard. Mais moi, ma lumière, ma gloire, brille infiniment au-delà que les étoiles que j'ai créées, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce qui brille, c'est moi qui les ai faites. Ma lumière est plus grande. Quelqu'un peut-il me voir? Quelqu'un peut-il me voir? Peut-il me saisir? Oh mon Dieu, alléluia. Tu es si grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, Brenda Soro Bara la Clarianda Brada Setere de Bruce, Raides Glorianda Brada Soro Bara la Clarianda Bru, Reda Baba Shata Rada Bras. Alléluia, merci Seigneur Jésus, Brenda Sara Bara la Clorianda Baba Shere Bara la Clé. Alléluia, amen. Pouvons-nous acclamer notre Dieu, la grandeur de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Raye baba ba sere mara la gloria ndaba. Shatari baba da gloria ndaba da sere mara la bo. Raye des gloria ndaba da soro bara la gloria ndabo. Alléluia. Alléluia. Amen.